hear the sound of the bells when the log on. And them boys unleash hell when the war's on. Bring them to the wake, break them with a requiem and throw them in the pit and throw a little bit of dirt on them. Dirt on them, throw a little dirt on them. Trigger fingers in the air, put a little work on them. Work on them, put a little work on them. Trigger finger in the air, put a little dirt on them. Yo, salut à tous les amis. Alors là, vous venez de voir ma nouvelle intro hein, pour 2K19. J'espère qu'elle est pas trop longue, j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, ça m'a bien fait kiffer. Donc voilà, c'est pondu. Maintenant les gars, aujourd'hui sur cette vidéo, on va parler d'un truc qui me tient à cœur depuis quelques temps. C'est la communauté de NBA 2K. La communauté NBA 2K, pour moi, je pense qu'elle est remplie de plus en plus de petits kikou call of, comme moi j'appelle ça, et de cancer qui ruine notre jeu préféré. C'est plus du jeu vidéo, c'est même plus du basket, c'est juste devenu le rendez-vous des coups de pute. Voilà, pour moi c'est ça. Et le problème, encore une fois, c'est que chaque année, on attend notre jeu avec impatience, on se dit lourd, en tout cas ils ont prévu ça, le jeu il va être propre, le jeu il va être stylé. Et une semaine après la sortie du jeu, désillusion, parce que d'une part, 2K va faire des patchs qui, une fois sur deux, vont casser leur jeu. Après ça, ils le rééquilibrent, je leur fais confiance encore une fois. Le jeu va finir par être propre, ça c'est clair et net, je leur fais confiance à 2000%. Mais la communauté, elle, ne va pas changer. La communauté maintenant, elle profite des failles du jeu et des glitches. C'est pour ça que jamais, au grand jamais, je ne ferai de vidéo de glitch. Bref, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que la communauté part tellement en vrille que tu ne peux plus te dire je vais aller sur un jeu vidéo qui est censé me faire kiffer, où je suis censé prendre du plaisir, éventuellement délirer avec mes potes, et se dire voilà, j'aime le basket, je prends ce jeu pour jouer au basket et basta. Parce que ce n'est plus du tout le cas sur NBA 2K à cause de sa communauté. Là encore, cette semaine, ça a fait beaucoup de bruit ce truc. Des mecs, et là on est vraiment hors cadre, basket, jeu, etc. On est sur purement et simplement la plus pure forme de racisme qui existe. Voilà, des mecs qui se sont amusés à faire des maillots de squad sur le KKK. Et donc, bah du coup, forcément, après signalement, etc., bah, se sont fait ban définitivement par 2K. Alléluia, c'est une bonne chose. Et franchement, 2K, si tu m'entends, fais en sorte que quand tu sors un jeu, que tu essayes de faire en sorte qu'il soit compétitif à tous les niveaux, parce que je rappelle qu'il y a moyen de gagner de la thune sur le My Team, qu'il y a la fameuse 2K League, et bref, d'autres modes de jeu, en fait, qui sont payés, hein, entre guillemets, au final, à haut niveau. Tu ne peux pas faire en sorte de signaler un mec en face de toi qui glitch ou qui profite des failles du jeu. Voilà, moi je trouve ça assez triste, c'est un jeu multi, la communauté elle grandit de ouf, il y avait 9 millions d'exemplaires de vendus pour le 2K18 et il n'y a toujours pas à l'heure actuelle moyen de signaler, à part si tu te prends la tête d'aller sur Twitter et de mentionner la personne en question et de bah, du coup mentionner bah, Mike Wang ou Ronnie 2K pour qu'ils voient ça. Voilà, bref. Donc voilà, petite parenthèse sur la commu. Je vous ferai ma prochaine vidéo là pour les shoots, parce qu'en fait, en ce moment, beaucoup de problèmes de shoot pour un petit peu tout le monde. Je vais vous donner quelques astuces. Encore une fois, ce sera pas forcément une astuce miracle, mais c'est quelques points à voir pour que votre shoot green mieux. Parce que là, faut dire ce qu'il y a, il y a beaucoup de collébards, beaucoup de blancs qui ne rentrent pas. Et voilà, il y a quelques astuces qui peuvent vous aider à améliorer votre pourcentage de réussite. Sur ce, les amis, merci beaucoup. Merci de me soutenir. Merci d'être là. Partagez cette vidéo pour que le cancer s'arrête. Et on se retrouve très bientôt. A plus. Ciao, ciao. Bruh.